Bonjour, c'est Hugo Moulis, le créateur du robot Boot 1.0 HM. Je vais vous montrer les caractéristiques du robot ainsi que les pièces utilisées et pour le fonctionnement de la Terre. Alors, le robot fonctionne quand vous lui mettez un poids. Le robot fonctionne quand vous lui mettez un poids. Et après, vous mettez votre déchet ici. Et vous mettez le poids ici. Les pièces utilisées sont le touch sensor, les LED qui sont ici, le Staduino, une batterie et un accéléromètre pour la détection de la poubelle. Et deux photoréflecteurs IR pour l'accélération du véhicule. Le robot pour la planète, il sert à recycler les déchets parce que par exemple, il y a plein de gens qui les jettent et ce robot, il permet de les ramasser. Il sert aussi à éclairer parce que quand vous appuyez, ça fait de la lumière. Ouais, bon, j'avoue, quand vous appuyez, vous n'allez pas prendre un gros truc là. Mais voilà, c'était une vidéo présentée par Hugo Moulis et Jérôme Moulis. Qu'as-tu utilisé pour la programmation? J'ai utilisé le logiciel Staduino version recommandée. Et aussi pour la programmation, j'ai utilisé qui permet que quand vous appuyez sur le bouton, ben, ça allume les LED et ça fait rouler le robot. Mais si le photoréflecteur il n'est pas à 50 près, ça là, les deux trucs comme ça. S'il n'est pas à 50 mm près, ça marche pas. Voilà, c'était la vidéo de Hugo Moulis et Jérôme Moulis.